parvenu à Dieu toutefois où tu as l'espoir désespéré. Toutefois où l'espoir, ils t'ont annoncé une nouvelle où tu as perdu la foi. Toutefois où ils ont dit quelque chose, n'est-ce pas, où tu ne croyais même plus que Dieu pouvait faire quelque chose. Mais quand tu parles, on dit aujourd'hui, je vais ressaisir, je crois que tu peux encore faire un miracle pour moi. Prions ensemble, Seigneur. Prions. Prions ensemble, Seigneur. Prions. Il est malade. Chacun. Prions. Prions le Seigneur, prions. Oh, alléluia. Merci Jésus. Merci. Alléluia. Continue de prier. Nous voulons te prier, Seigneur, dans ta souveraineté. Nous réclamons ta grâce et la manifestation de ta puissance. Nous réclamons ta grâce et la manifestation de ta puissance, Seigneur. Nous croyons que tu es encore le même. Nous croyons que tu es encore le même. Capable d'intervenir, capable d'agir encore dans notre vie. Nous croyons que tu es encore le même, capable d'opérer notre miracle. Nous croyons ta souveraineté. Nous savons que tu peux encore agir dans notre vie. Seigneur, viens. Nous prions, Seigneur, merci. Merci d'agir. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Il faut prier. Il faut dire, Seigneur, donne-moi mon miracle. J'ai besoin de mon miracle. Le voile est déchiré, tout est accompli.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Avant toute chose, il y avait déjà de l'eau. Et Dieu va séparer les eaux. Et Dieu va commencer par les eaux. Et nous voyons que l'importance de l'eau dans la vie d'un homme. Dans le ventre de la mère, il y a un liquide dans lequel l'enfant évolue. Comment on appelle ça? Liquide amniotique. Donc ça dit que dans le quotidien de l'homme, il y a de l'eau. Le jour où l'homme manque de l'eau, il est mort. Donc à partir de l'eau, on peut bâtir. Comme en partie de l'eau,
on peut renverser des choses. Amen. Ce frère Kemblelo, nos parents au village, quand tu as causé toi un parent, il a oublié de verser l'eau. Amen. Chez nous, on bêtait, on dit quand nous pas, ça dit, j'ai versé l'eau. Amen. Bénédiction chez nous, c'est symbolique. Amen. Voici la signification, j'ai versé l'eau. Amen. Ça dit, c'est fini. Or, quand vous allez commencer à utiliser l'eau pour une action prophétique qui va s'opérer tout à l'heure, je précise très bien tout à l'heure, hein, à 1h30, je précise très bien, que vous voulez interpréter comme vous voulez, ça n'engage que vous. Amen. Ce qu'on appelle action prophétique, ça n'engage que vous. Vous prenez le ciel et la terre en témoin. Je vous dis ce que vous allez faire. Vous prenez le ciel et la terre en témoin. Il faut que le ciel soit réuni. Il faut que la terre, et puis vous commencez maintenant à parler. Vous dites, celui qui n'a jamais bu de l'eau, celui qui n'a jamais mis sur qui n'a jamais marché sur cette terre, celui que Dieu n'a pas créé, parce que tout esprit était créé par Dieu, ce que je vais dire, que ça ne touche pas la terre. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans la parole de Dieu, on nous dit dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 54 et le verset 4, le verset 15. Quand vous lisez le verset 15, la Bible dit, écoutez bien une chose. 54, le verset 15. La Bible dit, si l'homme forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Ça dit, Dieu ne complote pas les choses. Amen. 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 Si vous voyez que les gens complotent des choses, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Or, la Bible dit ici, dans le même Ésaïe 54, à partir du verset, à partir du verset 15, il dit, quiconque se liguera contre toi tombera sur ton pouvoir. Amen. Dieu n'a pas dit tombera sur mon pouvoir. Il tombera sur toi ton pouvoir. Quelle est l'action que tu mets pour que le diable tombe? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'est l'action que tu mets? Ça dit Dieu, tu regardes. Pour qu'il tombe, tout dépend de toi. C'est pour ça qu'il a dit, tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans les cieux. Nous sommes en train de compter les jours. Et les jours sont beaucoup importants pour nous parce que ça annonce la fin d'année. Et le mois de novembre, c'est un mois stratégique. Amen. C'est pour ça que déjà, à la fin du mois de novembre, amen, dès qu'il est minuit, dès qu'il est zéro heure, vous sentez cette transition. Ne soyez plus dehors. Dès que vous voyez, ça tenait en quel mois? 31. Le 31. Dès qu'il est le 31, 0 heure, la montre change. Prends la date du jour, le lendemain, prenez une bouteille que vous aurez déjà consacrée, mettez ça sur vous, versez ça sur vous, partez dans la salle de bain et versez tout pour dire tout ce qui est en train d'être programmé en fin d'année contre moi. Tout ce que l'ennemi est en train de programmer en positionnant cette eau qui nettoie, cette action, je neutralise tout pouvoir dans le nom de Jésus. Parce que vous voulez ou pas, le diable a une seule stratégie, c'est la parole. Vous allez voir les sorciers, ils vont utiliser la parole. Ils vont appeler ton âme. Ils vont prendre la parole pour t'attaquer. Or, la parole est une semence. Ce qu'ils font dans le secret, il faut que cela retourne contre vous. Contre vous. Amen. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. 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 On m'a bien saisi? Amen. On m'a bien saisi? Amen. J'ai dit, n'oubliez pas le 30e, cette stratégie. Mais ça, à partir de 0h30, 0h30, vous sortez. Sortez. Vous êtes là, peut-être que les chiens. Non, sortez et vous parlez. Celui que je prends en témoin. Vous savez, quand Dieu veut maudit quelqu'un, il réunit le ciel et la terre. Amen. Vous savez, je disais un message de Amalek. Quand Amalek s'opposait à Israël, Dieu dit à Moïse, écris ça dans le livre de souvenirs. Donc, il y a un livre de souvenirs de malédiction. De la même manière, quand tu poses un acte, et puis Dieu va dans le lieu de souvenirs des bonnes choses. Il y a aussi un lieu de souvenirs. Vous savez, quand vous opposez à quelqu'un la destinée d'un enfant de Dieu, Dieu ne joue pas à ça. Amen. Dieu ne joue même pas à ça. Amen. Dieu garde ça dans le lit qu'on appelle le lieu de souvenirs. Alléluia. Le jour Dieu établit le premier roi, Saül. Saül, il a dit à Saül, je me souviens
de ce qu'Amalek a fait contre Israël. Va et détruis Amalek. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Nous allons changer de stratégie. Amen. Amen. Nous allons changer. Vous savez, Dieu lui-même, tu diras à Dieu, tu sais très bien ce qu'ils m'ont fait. Tu as noté aussi. Comme ça se trouve dans ton livre de souvenirs. Ne dis pas, non, Seigneur, pardonne les péchés. Comme je pardonne à ceux qui nous ont offensés. On n'est plus dans ça. Est-ce que vous me saisissez un peu? Amen. Amen. C'est pas une question de Seigneur, pardonne-nous, si c'est leur péché. Non. Ils se sont opposés. Vous savez ce qu'on appelle opposition? C'est-à-dire, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que tu rentres dans ton mariage. Ils ne veulent pas que tu rentres dans ta bénédiction. Ils ne veulent pas. Pourtant, Dieu a décidé que tu pars à Canaan. Amen. Vous comprenez? Amen. 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 Et donc, si tu fais rien, comme dit la Bible, qu'ils tomberont sur ton pouvoir, c'est eux qui prendront le dessus. Amen. Donc, les actions prophétiques sont très dangereuses. Amen. 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 Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. 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 Regardez dans Nahum, le petit prophète. Dans Nahum, j'ai lu le livre de Nahum, vous allez bien comprendre ce que je suis en train de dire. Nahum, le chapitre 1, le verset 2, on dit, l'Éternel est un Dieu jaloux. On dit trop jaloux, tu deviens sorcier. On dit, Dieu dit, il est Dieu. Lisez très bien, allez noter ça. On dit, Nahum, le chapitre 1, le verset 2, on dit, l'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. Amen. Vous savez ce qu'on appelle la vengeance? Comment est-ce que c'est ça la vengeance? Viens te rendre ça. Le jour où Dieu a commencé à décider de bénir Israël pour choisir un sauveur, c'est ce jour-là que Pharaon décide de tuer tous les premiers-nés. Dieu a gardé ça. On prend les enfants, les jeunes dans le fleuve Nil. Dieu a gardé ça dans son cœur. Pour la libération d'Israël. Amen. Dieu va prendre l'océan pour tuer les Égyptiens. Amen. 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 Le fleuve Nil. Ok, moi je vais utiliser l'océan pour tuer. Amen. Si Dieu veut tuer ton ennemi, il va embêcher son cœur pour te persécuter. Amen. Et ça va augmenter la colère de Dieu. Regardez ce qu'il a dit. Le poursuit dans Nahum, on dit. Il est plein de fureur. On dit, l'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Est-ce que vous avez saisi? Amen. Qui a compris ce qu'il a dit? Amen. Il garde rancune à ses ennemis. Tout le monde dit, il ne faut pas garder rancune. On dit, Dieu garde rancune. Tes ennemis sont les ennemis de l'Éternel. Amen. Il dit, si tu fais ma volonté, tes ennemis deviendront mes ennemis. Le seul problème, c'est que le diable est l'ennemi. Celui qui te persécute est l'ennemi, ennemi de Dieu. Amen. Trop, c'est trop. Le monde spirituel est plus puissant que le monde visible. Mais comment nous y devons? Nous, on les attaquer sur le plan spirituel. Amen. 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 Je vous dis, à partir de 1h du matin, si tu connais son nom, va l'attacher. C'est pas un péché. Lié, ça veut dire attaché. Ou bien c'est attaché là qui vous fait frais. Il dit, tout ce que vous attachez, c'est attaché. Ou bien lié là, ça vous fait peur. C'est attaché là qu'on appelle lié. À quoi Amen. Amen. On passe à la vitesse supérieure. Amen. Alléluia. Amen. Il va dormir, non? Amen. Ce que tu vas prononcer sur lui, ça va arriver. Amen. Le pouvoir de la nuit est trop dangereux. Amen. 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 Le pouvoir de la nuit est trop dangereux. Amen. Nous allons prendre le ciel et la terre en témoin. Amen. Nous allons prendre la ciel, le ciel et la terre. Amen. Quand tu décides de nuire à quelqu'un, quand tu sais détruire, bon, nous, on va inviter Dieu dans nos combats. Amen. Et puis, on va voir qui va gagner. Amen. On va voir qui va gagner. Nous sommes au septième jour. Amen. Le septième jour, on ne parle plus trop. Il faut que le mythe tombe. Amen. 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 David dit dans le psaume 35,
c'est quand ils vont périr qu'ils seront contents. Amen. S'ils ne sont pas tombés, je ne serai jamais content. Amen. Je vous ai bien dit que ce qu'ils ont fait là, Dieu a gardé ça dans son cœur. Allez lire la parole de Dieu, vous allez comprendre. Vous dites, ah, comment vous attaquez? On dit, Dieu garde rancune à ses ennemis. Dieu se venge. Parce qu'il s'agit maintenant de porter treillis. Dieu le jour porte treillis, on appelle l'éternel le Dieu des armées. Il chante maintenant, on appelle Jéhovah Shabbat. Amen. Souvent les Jéhovah Jireh viennent la rue. Mais le jour porte treillis, hein, tous les étoiles, c'est dangereux. Invitez Dieu dans ce combat. Pour dire trop, c'est trop. Il faut qu'il tombe. Il faut qu'il tombe. Et qu'il périsse. La Bible dit, le même David qui n'a pas voulu tuer Saül, a dit le jour où ils vont tomber, mon âme se réjouira à l'éternel. Amen. 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 Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. 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 Que Dieu vous donne la victoire, si vous voulez. Amen. Dis amen. Amen. Lève la main, lève la main. Que Dieu vous donne la victoire, si vous voulez. Amen. Que Dieu vous donne la victoire, si vos ennemis. Amen. Pour rien, ils se sont ligués contre vous. Amen. Les mêmes personnes que vous avez aidées. Amen. Les mêmes personnes à qui vous avez donné à manger. Amen. Les mêmes personnes qui se ligent contre vous. Amen. Le ciel et la terre sera témoin. Amen. Le ciel et la terre sera témoin du châtiment. Amen. Et quand Dieu va les châtier, ils vont payer ça. Amen. Leurs enfants payeront malheureusement. Amen. Dieu a dit, même les nourrissons, même les avortons, même les fœtus, faut tuer. Amen. Maintenant, on a un langage guéri. C'est pas après le MCA, misère et la compassion des femmes. Souvent, il y a MCA. Amen. Amen. Vous avez compris? Amen. Vous commencez à le lier. Il va bavarder, mais ce que tu vas dire va l'atteindre. Amen. Il va bavarder, ce que tu vas dire. La tendeur, il n'y a rien à faire. Toi, ne bavarde pas. Sois dans le spirituel. Amen. Lui, baba n'en bas ici. Toi, tu es dans le spirituel. Amen. On va voir qui va gagner. Amen. Les gens ne s'attendaient pas. Pourquoi Dieu va pousser le peuple d'Israël, égyptien, vers la mer? Parce que Dieu avait gardé ça. Vous avez pris les enfants, j'ai dans le fleuve Nil. Dieu a gardé ça. Le retour à la. Ouais. Dieu va prendre l'océan. Pour exterminer tout le peuple égyptien. Amen. Il s'est vengé. Amen. En utilisant sur l'eau. Amen. Et cette fois-ci, c'est l'océan. Amen. Ce qu'ils ont envoyé contre vous, là, retournera contre vous. Amen. On a son nom pour prononcer. Ce n'est pas une question de non, non, on a l'église. Arrêtez-vous ça. Nous, non. Là où on est en combat. On est en combat. On est en train d'en des prières, des sujets de prière. Il y a souvent des sujets de prière. Et puis il y a un sujet de combat. Amen. Combat, il y a des mots qui sont choquants. Dans le combat, on ne dit pas les mots qui font plaisir. Il n'y a pas les mots de pitié dedans. Il y a des mots qui choquent. On détruit les gens. Amen. Vous savez que dans la royauté, il y a des gens qui sont là pour tuer. Ça fait partie de la cour royale. Amen. On dit lui, il a fait son travail, lui, il tue les gens. Tu vois l'avoir fait, lui, mais c'est sa fonction. Ça veut pas, c'est lié à la royauté. Amen. Tu es un roi, dis à quelqu'un que tu es un roi. Alléluia. Nous allons prier pour que Dieu nous juge, pour que Dieu se tue de nos ennemis. Nous allons prier. Levez les mains. Nous levons les mains. Et tu vas commencer à prier. Et tu vas demander au Seigneur de te défendre. Amen. Amen. Tu vas commencer à dire au Seigneur de te défendre. Et face à ce mur, je prononce votre victoire. Amen. Face à ce mur, je prononce la défaite de vos ennemis. Amen. Face à ce mur, je prononce son espoir. Dieu est par contre de retour dans l'instant. Amen. Face à ce mur, je prophétise que le diable n'est pas la honte. Amen. Face à ce mur, que le diable trébuche. Amen. Face à ce mur, que le diable reconnaît la souveraineté de votre Dieu. Amen. C'est celui qui reconnaît la grandeur de votre Dieu. Amen. Dans le nom de Jésus que j'ai prié en dit amen. 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 Amen.